Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Media nan et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Dites ça, nan Fadimak, c'est pour porter solidarité avec responsable clinique ça qui était victime dans la date 18 novembre 2021. Moun mal intentionné qui t'a manifesté selon sa mwen li dans le journal, selon sa m'tande dans la presse, pacifiquement, et puis qui brusquement vin violent, yo krasé toute vite qui nan Fadimak, alors que son institution philanthropique qui travaille en pile. Moi m'estime que la population pas connaît qui moun qui était là, mais besoin nous connaît de n'a manifesté dans pile moun important. Qui fait un pile bagaille qui est extrêmement important dans la société, il faut que nous respections ce symbole. Nous trouvons nous quoi là, dans Saint-Gestio, sous Bicentenaire. Premier ministre l'a visité et puis parlé avec différents chefs de service dans Saint-Plan. Visite ça a été occasion pour chef gouvernement Chita Pali avec responsable Saint-Gestio. La bande Aïzo a investi en bas à l'autre jour, ils ont tiré heureusement. Pas de gain, perte de vie, perte en vie humaine. Merci bon Dieu. Mais tout, m'a profité, féliciter la police, parce que nous avons mis en bas code 4 éléments dangereux qui étaient entrés dans le Gestio. Mais l'homme qui vient dans le Gestio, m'était émerveillé par le travail que moun sa a fait. Et c'est pour ça, moi-même en tant que Premier ministre, m'a encouragé le partenariat public-privé. Délégation prend direction PACO. Dans la zone ça, il y a une négociation qui a déjà commencé pour acheter le local nous trouver nous là pour loger l'école normale Sipirien. Franchement, moi j'étais étonné pour moi qui j'ai l'école normale supérieure était logée. Et à ce moment-là, j'ai parlé au président de la République qui dit que lui-même tout pas même rendre compte c'est comme sa situation était grave parce que son pays tellement de bagarre pour faire la donne. L'obgade à gauche, à droite, t'es guette un peu mal, ou bien d'ailleurs pas bon du tout, ou bien face ou pas bon, parce que j'aime toujours dire, tout indicateur yo en rouge en Haïti. Alors, ma première directeur, espace ça, soit espace que n'a pas négocié pour l'État acheter pour l'école normale supérieure, parce que y a l'école qui est importante comme ça, nous pensons que l'y méritait un meilleur traitement. Recteur Université a félicité et puis remercié l'administration Moïse et le gouvernement Joutla qui pensait à l'étudiant INSU. L'école normale là, son urgence pour le déplacer. Et l'on a posé problème dans la ville de manière très spontanée. Il était répondu nous. Et toujours répondu nous, chaque fois nous posons problème. Il n'y a pas résolu tout le temps parce qu'il y a rien qui. Des problèmes très très urgents comme ça je dis hein. Mais nous gagnons des problèmes plus structurels que nous posons dans le cadre du protocole d'accord que nous signons à l'État ça fait déjà 2 ans et nous espérons tout que l'autre point l'autre aspect qui est dans le protocole d'accord là a adressé pour le bien de l'université. Selon le Premier ministre là, il y a des marches qui commençaient pour construire campus université l'État d'Haïti. Distribution kit scolaire avec souliers première dame république Martine Moïse a fait dans plusieurs départements dans pays a rivé dans département l'ouest là. Élève l'école communale Pierre Samo dans commune Carrefour recevoir sac l'école, plusieurs cahiers, instruments géométrie par-dessus avec souliers. Magistrat commune Carrefour Jean-Edouard Pierre remercier première dame république là pendant lui annoncer l'a fait démarche pour permettre timoun yo bénéficier l'autre bagage encore. Nous tous dans le milieu, magistrats, personnel là, et puis mon carrefour m'a dit pour dame merci parce que les pensait encore une fois à ça. À élèves dans l'école communale Pierre Samo que nous avons construit dans la commune. C'est des timons qui sont vraiment en situation de précarité, parents, moins que 60 timons viennent de l'école à ça dans l'école là. Et ça qui vient là, pas même les valises, nous voyons dans l'école là. Donc c'est un gros geste encore une fois. Nous remercions madame et nous demandons pour continuer parce que l'autre école dans la ville là qui est en difficulté. Des lycées ou même des écoles privées qui ont des difficultés, je dis, c'est. Mon bagage, nous, encore une fois, salut ça, nous j'avais avec l'année dernière. Simone qui l'a parlé de l'école là, vous savez quoi? Simone Sayo, ça c'est là, on a 10 kilos. L'école communale Pierre Samo,
c'est dans toute cité dans zone parce que c'est l'école communale, l'école nationale, nous connaissons la caillou. C'est mon gars moins possibilité qui vaut là dedans. Nous avons une cantine qui a marché clopin clopin. Tu profites de me parler ça première dame, nous avons un café. CNRS venu là, formaliser la cantine pour eux parce que situation difficile pour eux effectivement. Combien d'écoles nous avons dans la zone, l'école nationale dans la commune? Nous avons 7 écoles nationales sur Carrefour, mais il y a 4 écoles communales. C'est seulement ici que nous distribué qu'on y a. Comme tout le monde n'a pas cassé un seul côté, moi je souhaitais que tu passes à la première dame pour nous un syndicat. Le directeur, il y a une possibilité pour nous faire distribution parce que tout le monde a une nécessité. Sorti 9 novembre passé à pour arriver journée mardi 24 novembre, la première dame république, Martine Moïse, déjà distribué kit scolaire à souliers par environ une centaine d'écoles à travers 6 départements dans le pays. Après département centre, grandance c'est deuxième côté, première dame république, Martine Moïse, distribué kit scolaire dans l'occasion de réouverture de l'école. La. Distribution sa fête dans le lycée national Chambellan, by Timoun qui sorti dans 7 écoles dans la commune. Première dame nan distribué kit scolaire tout, by plusieurs écoles dans la commune Moron. Là, nous avons l'école nationale mixte Moron. Nous remercions premièrement première dame nan, qui permet Timoun yo bénéficier valise. Et nous pensons que valise n'a pas vite de quelque part là-dedans quand même parce que nous pas. Et que nous remercions le président de la République là tout, qui permet l'école ça à continuer. Il y a l'école qui date depuis 1901, qui n'a jamais rénové. C'est sous gouvernement Jovenel Moïse là, les rénové. Valise ça a eu donne plusieurs cahiers, instruments géométrie et par-dessus. Parents ont expliqué, malgré l'école là l'ouvrir depuis environ 2 semaines, il n'y a pas de en mesure pour acheter toute bagaille pour petit. Li bon, oui, parce que je ne peux pas pour yo dit tout. Je dis que c'est un gros gaste fait pour moi. Combien de monde? Tous les dents, des rivales Winter, des rivales Gertrude. Il y en a dedans. Je ne peux pas faire un pour dit tout. Je vais faire un pour venir à l'école là même comme ça. Je suis content en pile de ce que les dames ont fait choix pour nous. Je vous remercie en pile. Viron Satalbout dans le lycée Nord Alexis, Ville Jérémy, côté première dame Martine Moïse, distribué kit scolaire by 6 l'école. Année académique 2020-2021 l'ouvrit officiellement lundi 9 novembre passé sur tout territoire. Parents yo dit, année ça yo souhaité, ti moun yo ap gen chance boucler calendrier scolaire là, contrairement à l'année passée qui était censé gaspiller à cause pandémie coronavirus là et perturbation politique. Élèves qui sorti dans environ 15 écoles dans le département sud là recevoir souliers à kit scolaire dans la première dame république Martine Moïse. Distribution sa fête dans l'école nationale congréganiste Notre-Dame Fatima de Tiburon, l'école nationale de garçons Okoto et l'école nationale du Marseille estimé dans Ville Okay. Quelques responsables et professeurs de l'école applaudissent l'initiative ça, yo di kap et des parents yo préparer timoun yo pour entrer l'école là. Ça fait nous content parce que nous ouais timoun yo ouais première dame nan vraiment vrai. Et enseignant nous qui vient joindre yo yo wel yo connaît pas mon peut parler de lui même je viens de là et puis qui vient distribuer kit ba yo et moi tout petit monde content ça servi petit monde en pile dans l'école yo parce que petit monde aujourd'hui grand monde demain c'est que éducation c'est un développement lié dans un pays si pas gagne éducation pas gagne rien dans pays même nous même camper là nous capable exister c'est dit que et ça fait plaisir pour nous même petit biron nous dernier bout mais nous gain accès pour que tout petit monde rejoigne au kishoy dans l'état ça fait pile plaisir la bon pour une série de parents qui en difficulté pour ta capable acheter matériel scolaire pour petit monde venir l'école donc et pour certains c'est un bon geste pour eux mais nous accueillir ça nous prend ça avec cœur parce que ça que nous pas ca bayo nous pas ca offrir yo. Et puis, il y a une première dame disponible pour l'offrir, il y a accueilli. Et moi, il y a un petit monde, il y a un petit parent qui apprécie ça. Un petit monde qui bénéficie de souliers, valises et matériel de l'école, c'est un petit monde parent qui n'a pas de gros moyens d'argent. Parfois, même plusieurs jours après rentrer l'école, il y a un peu de cachita dans la salle classe. Je suis de gros valises. Les valises à fond, tu chires tout petit. Nous avons fait un cadeau de valise, merci. Je dis Martine Moïse, merci pour ça que vous nous avez fait, parce qu'il faut une belle bague pour nous.
Département Sud là, c'est troisième côté, première dame nan Martine Moïse, distribuer kit scolaire by élèves l'école yo après département centre ak Grand-Anse. Dans plusieurs zones sous côte sud là, population a été rassemblée pour remercier première dame nan nan façon pa yo. Plusieurs écoles dans le département NIPAC Sud-Est recevoir kit scolaire et soulier dans la première dame République Martine Moïse. Dans l'école nationale Edes Gousse, qui logeait trois établissements, directeur Jean-Claude Jean-Pierre et bénéficiaire yo expliqué, j'ai ça vini dans le moment côté Timoun yo gen gros besoin matériel pour entrer l'école là. Ah Timoun yo pas ko pari. Bon, kon ya là et bon net là. Si ça soulier pas pour yo la venu petit frère ou petit sœur ka ka gérer ça. Parce que là nous gon bon Timoun monoparental. On se dit que les gens sont il y a plus de problèmes. Je dis merci d'être venu une valise, un cahier, une plume. Parce que je ne peux pas faire ça, je dis merci. Moi, je suis pas valise, je suis venu un cahier, une plume, un crayon. Moi, je dis premier dame, merci en plus. Et deuxième, je suis venu à l'école, je suis venu à l'école, acheter le livre. Je suis venu à l'aide, est-ce qu'elle commence à aider. Dans le département NIP, première dame distribuait matériel scolaire dans les FACAP Butet, Fond des Nègres. Et puis, dans l'EFACAP Chalon, qui est affilié à 20 autres écoles. Révérend Père Basile Elusma, directeur EFACAP Chalon, te profite et présente cahier d'oléance li, by première dame. Nan. Connaissant votre souci, madame la première dame, pour une éducation de qualité dans le pays, votre présence est pour l'EFACAP une opportunité de bénéficier tout ce qu'elle a besoin pour être une école de qualité. Selon le vœu du ministère de l'Éducation nationale et de la profession, formation professionnelle. Dotée de l'école une infirmerie, dotée de l'école d'un budget pour la formation continue des professeurs de 20 écoles associées, dotée de l'école d'un laboratoire d'informatique, des tableaux numériques dans les salles de classe, une bibliothèque, et d'électricité 24 sur 24. La nomination des enseignants du préscolaire, du troisième cycle, le personnel administratif et le petit personnel. L'asphaltage de la route menant à l'école. Quand il pleut, les enfants se trouvent en difficulté pour venir à l'école. Après département centre, Grand-Anse, sud, département NIPAC Sud-Est fait cinquième zone d'un pays à qui bénéficie distribution kit scolaire ak soulier première dame nan Martine Moïse a fait dans l'idée pour aider parents yo rale en souffle ak dépense réouverture l'école là. Port de Paix, Jean Rabel ak Mol Saint-Nicolas, c'est trois communes dans département Nord-Ouest là, côté première dame République la Martine Moïse distribuer kit scolaire ak soulier ba élèves l'école yo. Responsable plusieurs écoles dans le Nord-Ouest là exprimé contentement yo devant Jessa. Il y a un petit monde qui est venu, puis pas de valise, qui nous déconstate ça. Il y a un petit monde qui est venu, bagaille tout de chaussures déchirées. Donc nous espérons que il y a besoin de yo pour servir et permettre à ce que yo capable venir l'école. La distribution ça lui-même, il prend utile petit monde yo dans sens côté si toutefois tu as gagné de matériel didactique en dedans côté petit monde yo, yo pas de possibilité pour yo pour parents yo même acheter et genre de matériel ça yo, parce que ça va aider nous avancer avec apprentissage là. En pile dans petit monde qui recevoir matériel ça yo, pas de gagne valise ak soulier pour yo faire année l'école là. Moi c'est une école dans ça. Oui, mesdames, nous faisons, et monsieur l'État continue toujours à faire ça pour nous. Parce que, il y a des gens, les valises ont été chirées. Les jeunes, même les gens qui ont été gagnés, ils ont dit qu'ils devaient faire 7e, 8e. Mais les valises ont été chirées, ils continuent à faire ça. Oui, mesdames, nous faisons. Nous jeunes, cahier, plume, crayon, efface. Nous jeunes, on tape pour les gens la pluie pour nous mettre sur nous. Moi, je recevrai la valise ensemble avec souliers.
Moi dis premier dame non merci en pile pour ça le faire. Nous accepter ça le faire, nous recevoir à demain. N'a prier bon Dieu puis toujours faire ça chaque année qu'a venir pour bon Dieu bal courage puis toujours joindre ça pour faire. N'a rappeler plus passer 30 000 timon à travers différents départements. Joindre sac, matériel didactique par-dessus, ak souliers, nan kap distribution kit scolaire, première dame nan fè nan tout coin en dan pays ya, depuis rentrée officielle classio, 9 novembre passé ya. Les agents du corps de surveillance, yo pas la police, yo pas l'armée. Sou kwa zon lèd nan la rue en kap conduit motocyclette, li dou li se agent de sap, li a le badge pour moto, yo ap di non. Parce qu'il faut gagner lié d'affectation. Donc nous autres, nous devons porter clarification ça. Pour tout homme politique qui pense que de ça, le rôle politique l'a joué. Je dis non, de ça, pas de pièce de rôle politique l'a joué. Il a une mission pour protéger l'environnement. Eh bien, l'a fait job. Dans ce sens, moi, je veux dire, agent de SAPIO, qui a une mission pour protéger l'environnement dans la zone côté OEA, pour aucun démoral, pour ne pas laisser céder avec des pressions des hommes politiques. Parce que nous avons bien une politique qui a appelé de critiquer les SAPIO, pour au moins deux, trois exemples côté un agent de SAP arrêté. Deux, trois exemples côté agent de SAP tiré. Deux, trois exemples côté un agent de SAP. Et gros problème. Et si le fait, nous avons garanti que nous-mêmes n'avons pas de décision. Parce que si on l'aide pour un acte, ce n'est pas un exercice fonctionne que le pose, c'est le responsable. Et ma prédile, et nous tous connaissons, qu'en matière pénale, la responsabilité est personnelle. Je dis, hein, la preuve, bon écart qui fait avec un journaliste, mais bon preuve qui vient devant, nous prenons décision. M'a dit non. Et je dis, nous gagnons un processus de recrutement des agents qui a clôturé là avec OMRH. OK? Parce que tout le monde connaît comment on entre dans la fonction publique. Et OMRH est délégué deux cadres dans OMRH qui viennent chita là avec nous et qui étudient le dossier parce que nous demandons une assistance technique. Et après assistance technique, de CSAO déjà transféré au niveau du ministère de l'Environnement pour les suites des droits. C'est dans la commune Wanamet, dans le parc Maquette, cérémonie officielle pour marquer journée internationale contre la violence qu'a faite sous forme actifi réalisée à Nessa en Haïti. En présence représentant plusieurs organisations femmes, autorités locales avec la justice dans Nord-Est, ministre des conditions femmes et droits femmes, Justine Montpremier, renouvelé engagement pour continuer le travail et puis renforcer les mesures qui déjà prend pour couper avec violence qu'a fait sur mesdames. D'accord, il y a CDF que nous ratifions, il y a décret 6 juillet 2005 que nous prenons comme violence et qu'on y a moins déposé. Il y a l'autre projet de décret qui pédue. Parce que si là, vous venez renforcer ça, nous dégain là. Si nous voyons que mon pays d'Haïti continue à faire violence toujours, après décret, ça fin sorti, fin publié, par contre, ça n'a pas fait, qui j'en ai pas le réagi. Parce que, dans le premier décret 6 juillet 2005, là, il t'a parlé avec pour sanction. Dans la sanction, si son un grand monde nous violé, on va passer 10 ans en prison. Si c'est un petit monde, 15 ans en prison. Dans le cas Evelyne, c'est ça nous mettons là, c'est perpétuité. Pas de parler en pile là-dedans, c'est perpétuité. Et comme c'est le gouvernement qui respecte tête, yo. Depuis on ça fait viol qui vient devant yo, qui cause son crime, là même yo a cheminé le cabinet d'instruction pour suite légale. Yo. Parce que affaire de la souffrance, on n'a pas servi avec lui, avec la plus grande rigueur. Représentant ONU Femmes en Haïti, Kédé Ekoué, mandé autorité pour sanctionner agresseurs pendant le souhaité moun yo pi responsable et puis encourager le gouvernement à mettre plus moyens dans le ministère Femmes pour être capable d'accompagner mesdames. Nous savons que madame la ministre a fait un travail par rapport au cadre légal et qu'elle a annoncé ça lors du lancement du Spotlight, un programme de lutte contre les violences
familiale vis-à-vis des femmes et ce travail par rapport au cadre légal pour que les lois soient plus fortes afin qu'on puisse mettre fin aux violences. Ce travail que Madame la Ministre fait, nous soutenons cela et nous espérons que ça va se concrétiser bientôt avec une adoption d'un cadre légal plus fort. Financer, intervenir, prévenir, collecter, c'est sous thème ça. L'ONU s'est déroulé journée internationale contre violence qu'a faite sous forme actifio. Même j'ai à toute l'ONU juridiction, ma ville Jacmel, doyen qui travaille dans le tribunal là, à commissaire gouvernement dit, il a apprécié présent Jikaj là. Doyen tribunal Jacmel là, Wando Saint-Villiers, parlait sous façon d'utiliser Jikaj là. Différence qui gagne entre l'alité qu'on utilise registre tribunal yo, à Kounia ligue système Jikaj là, qui balle toute information yo. Son instrument est qui capable de permettre à ce que vous vivez, contrôler le travail magistral, surtout au niveau du cabinet d'instruction. Parce que remarquez bien, il prend en compte le dossier pénal, le dossier du cabinet d'instruction, ou capable de idée de moment où dossier est entré, dans qui phase vous êtes et combien de temps le magistrat prend pour le traitement de chaque dossier. Étant donné qu'il permet de contrôler ça, ça permet à ce que tout, si lorsque il y a des retards dans le traitement en série de dossiers, donc en tant que doyen, on est capable d'attirer l'attention du juge sur ça et exhorter à agir avec diligence. Et je crois que le magistrat va être beaucoup plus performant puisque vous connaissez travailler à contrôler quelque part. Commissaire gouvernement Jacques Mella, Lionel Chérima, souligne comment Jikaj la aide à gérer dossier. Il y a des détails sur diverses possibilités système informatique ça offre pour le travail et puis soumettra pour lui à temps. Jikaj la aide très bien parce que dossier yo Léo sorti dans le paquet. Une fois que vous entrez, vous enregistrez, les films enregistrés qu'on a la distribution fait et avec poste que nous avons devant nous, nous sommes capables de faire un et qui suivi qui fait. Le système ça lui permet que nous avancer plus rapide et lui permet tout que nous contrôler le dossier autour, surtout dans le dispatching et suivi on est aller plus loin parce que nous sommes capables de continuer pour moi au niveau de deux canaux tribunaux qui ça le fait comme suivi. Et doyen lui-même, même si on distribue, on a même un juge d'instruction qui est lié. Et si il y a des ajouts qui peuvent faire, nous ferons bien rapide. Tant que ça fait dans toute juridiction, l'opérateur saisit et transférer tout dossier à la justice qui est enregistré dans le registre sur ordinateur responsable Jikaj yo mette disponible pour le travail dans la juridiction Jacques Mella. D'après déclaration, Jikaj l'a aidé au travail plus bien. Et Jikaj là, c'est un outil qui est important parce que qu'on est dans une nouvelle ère nous. Et le système informatique est important. Depuis qu'on a travaillé physiquement sur le dossier, alors sur papier, avec Jikaja, nous connaissons entre données, les facilités nous plus pour nous connaître côté nous. Et puis tous les besoins ou informations, la prenons moins de temps pour nous joindre. C'est une avancée qui est vraiment intéressante. Parce que dans le temps que nous vivons Gounia là, c'est plus facile pour nous pour nous capables de traiter le dossier. Ça veut dire que Jikaja, c'est un nouveau dans le système là, mais qui est très important. Pour monter un dossier sur le système là, ça va prendre 2 à 3 minutes pour montrer un dossier sur le système là. Jikaj l'a aidé à mettre l'ordre dans l'enregistrement et traitement de dossier dans l'appareil justice là, d'après l'autorité. Là, ce n'est pas le juge qui a fait, ce n'est pas le greffier, c'est le représentant du ministère public. Et c'est un problème de disparité de salaire, côté dit par un traitement égal. Entre représentant ministère public avec juge, nous connaissons les juges qui ont relevé de CSPJ, mais représentant ministère public qui ont relevé du ministère de la justice. Avec des supérieurs qui médiaient, c'est le ministère de la justice. Composition régulière au tribunal là, c'est juge, c'est représentant du ministère public, c'est greffier, c'est huissier. Ça veut dire si représentant ministère public là, pas là, nous ne pouvons pas prendre siège dans le tribunal là. C'est ça qu'il faut faire depuis lundi dernier. D'après le travail, je ne sais pas qui a été commencé. Le tribunal là, c'est seulement des audiences de référé qui font la donne. Parce que dans le référé, on n'est pas obligé de gagner présence représentant du ministère public. Nous-mêmes, ça que nous avons souhaité vivement, nous avons souhaité que nous ayons un dénouement qui joigne dans ça. Parce que nous avons abdi, année ça, nous avons une possibilité pour l'année à commencer. Et au cas où l'année a commencé bien. Qui ont essayé des jours là, nous tellement d'engouement avec des juges là, greffiers là, huissiers là, représentants du ministère public là, c'est coup de barre où nous avons traversé derrière dans le coup de bâtonnier.
pour lui mettre des salles à la disposition non, pour nous faire audience. Parce que nous avons un pile dossier qui est en souffrance. Nous avons dit pendant nous avons même parlé de la calme qui gagne, nous avons souhaité qu'il vienne tourner en paix durable. Pendant nous avons une possibilité ça, en nous faisons un grand nombre d'audience pour nous faire mon juger. Nous avons dit nous comptons pour l'avocat parce que des fois qu'on voit l'avocat, on est dans une situation pour les clients va comprendre. Pour les clients, les dossiers n'ont pas avancé, c'est l'avocat. Et comme si la courrier des avocats dit dossier pas avancé, alors que l'avocat lui-même n'a pas aucune responsabilité. C'est des cas de force majeure si le tribunal n'a pas travaillé. Si une situation quelconque qui fait le tribunal n'a pas travaillé. Nous avons dit à Nessa, comme nous avons commencé bien, nous avons vu que, à calmer ça, nous avons fait durable. Pour nous faire audience, pour nous être capable, si nous avons plus ou moins comblé. Bon, mais si nous n'avons pas comblé, pour nous rattraper le retard qui était accumulé pendant l'année qui s'est passée. Nous avons souhaité que les conditions soient réunies pour nous faire année à là, pour nous avoir une session criminelle avec assistance du jury, parce que ce n'est pas normal pour nous en situation de détention préventive prolongée depuis des années. Dossier en état, mais c'est le climat sécurité là qui fait nos batailles juger. Nous estimons pas normal. Nous avons dit c'est que nous avons une paix durable, nous avons souhaité de tout cœur. Pour avoir une solution qui joigne à paquet de problèmes, parce que la justice est un service public qui est lié, pour qu'il fonctionne sans interruption. Le tribunal la grand centre de service lié au FIFON, qui a une possibilité pour vendre tout service. On a gagné sa nouvelle justice institutionnelle qui a fonctionné, Jean la loi a demandé pour fonctionner. Depuis le mois de juillet 2018, nous avons suspendu de demander tout acteur politique pour le prendre. Dans l'année 2020, ça, nous avons dénoncé dérive pouvoir en place là, qui n'a pas suspendu de chiffonner la constitution, n'a pris quelques décrets qui baillent gros quelques assez. Si tu as un pays qui a vu une pi mal chaque jour, bouleversez-nous en pile. Ces entrailles nous qui a raché les nouvelles, la violence, la misère à saleté fin couvrir pays. Je dis à nous pas qu'à compter quantité de kidnapping qui fait. Bandits a marché, violé moun, assassiné, y a simé la terre, la mort à glou danger. Yo fait moun obligé parti quitter kayo. Nous faisons à tout peuple haïtien qui fatigué pour nous relever bien fort et puis pour nous redire à toute force nous bouquer à insécurité, violence, la misère à la terre cap laïté koyo dans pays. Nous bouquer c'est trop à temps. Peuple haïtien pas capable encore. Quant à nous-mêmes, cap fait mauvais actes à yo, à tout si la yo cap soutenu nous. Non, non, bon Dieu, la vie, nous mandez-nous suspendre. C'est tout peuple haïtien qui pas d'accord avec ça. Ça pas mené nous loin. Le nous garder qui j'en crise ça, qui l'a depuis quelque temps abrassé bille pays, yon l'autre fois encore, nous demandons pour tout le monde prendre conscience. Pays a dû passer avant tout intérêt personnel, intérêt tikoulout, pour gagner un changement total capital dans l'esprit et dans le cœur. C'est pour nous rejoindre une entente entre nous, nous-mêmes haïtiens, pour nous bâtir nation, yon l'autre gens. C'est pour nous arriver à développer bon genre rapport qui m'a connaît nous ensemble. Nous-mêmes, évêques catholiques pays Haïti, nous encourager toute initiative nationale qui est capable de rassembler toute force pays pour nous mettre ensemble, pour nous arriver à joindre une entente, un consensus qui pour renforcer l'institution, une façon pour bon genre climat confiance capable de tourner dans mi-temps population. En pile monde, à qu'en pile secteur, t'as souhaité pour gagner pas ses mains qui fait la constitution, ou bien y'a l'autre constitution. Faut que ça t'arrive et fait, j'en le dois fait,
Et puis, ce n'est pas ni un monde, ni un petit groupe monde qui est capable de décider sur une cause importante comme ça pour l'avenir du pays. L'espoir ça nous gagne pour nous arriver à parler ensemble tout le temps, dans sincérité, sans bluff, en nous qu'ébel femme. C'est là-dedans qu'on a besoin de solutions problèmes qui a bouleversé le pays. C'est chita parler ça seulement qui amène nous à apprendre bien vivre, il y en a clotte, tant qu'on ferait accès. Comme ça, nous demandons tout haïtien, filles tant qu'on garçon, chaque monde, dans le niveau pario, pour faire tout ça, yo capable, pour empêcher le pays à entrer pifon, dans le trou, les trouvelles, je veux dire. Moi, c'est Fabiana Ismon. Oui, ça a quelques jours depuis que j'apprends que la photo m'a circulé de tous côtés avec un avis de recherche sur lui. Moi, je venais pour me dire que ce n'est pas vrai, c'est un monde qui utilise l'image moi pour lui faire un faux compte et qui n'a pas parlé avec une série de rapproches qu'elle a avec une série de l'autre monde, il a lancé un avis de recherche là. C'est une fake information, ça n'est pas vrai du tout. DCPJ pas d'ailleurs. Les moins fin ont joué une image là, ça que moi qu'a dit, c'est un monde qui crée un compte qui relait Angelica Bolette, qui partage image là sur un groupe Facebook qui relait acheter evan haiti.com, on va dire comme ça, on va rappeler exactement. Les partager image là sur groupe là, et puis de l'autre groupe à l'autre groupe encore, pour me t'aller vérifier sur page là. Les partager images là à plus de 8 groupes. Moun sa li créer compte là, li pas vraiment gain aucune activité sur compte là. So, les moi repost image là après toute dommage judiciaire que me fin fait, moi repost image là ensemble avec procès verbal que moi déposé contre Angelica Bolette ça qui utilisait image pour le mettre à vidéo recherche qui faut. Moi reposté sur page Facebook moi. Angelica ça a fini les commenter en bas post là que moi-même moi t'ai fait hein, pour la dit que pour lui a dit que c'est vérité. Ouais, moi commenter ensemble avec elle, mandel comment pour lui faire a dit que c'est vérité parce que moi-même moi connais moi pas élément pour Fabi, moi pas gain Fabi Germain non nom mais c'est image moi qu'on utilisait pour faire une publication qui nettement faux. Et puis il dit que c'est image ça li wè sur profil yon lot compte Facebook qui gen nom Mambo Fabi. Ça moi même moi al fait après les fin ban information ça, moi aller moi checker Mambo Fabi sur Facebook. Moi wè moun nan vraiment li utiliser, li gen moun sa gen plus que passé 50 photos sur page Facebook là. Li utiliser photos, li a bay moun boule bolette pour moun jouer, li gon pile bagay que la fait sur page, li la sale image moi. Et li c'est une victime de Mambo Fabi. Mambo Fabi mange l'argent, Mambo Fabi mange l'argent, on peut la vendre avec un bon lot moun et que li besoin attirer attention la police sur Mambo Fabi. Voilà, et merci avec tout moun qui t'est branché pour t'es cap tendez dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.